Bonjour, aujourd'hui pour ce tout nouveau tuto, je vais vous apprendre à réaliser ces magnifiques petits cœurs. Voilà, ils se font en deux parties, mais c'est super simple. Voilà, vous voyez, ils sont magnifiques. Donc, pour réaliser ces petits cœurs, vous allez avoir besoin de 2 watts. Voilà. D'une aiguille Allen. D'un marqueur, pardon. Moi, j'utilise toujours mon compte-rang. D'un ciseau, d'un crochet et de laine, évidemment. Donc, pour commencer, vous allez faire alors hop, un cercle magique. Et dans ce cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. Alors. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Ensuite, hop, on ferme le cercle magique. Voilà, une maille coulée dans la première maille. Et vous fermez. Maintenant, vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc, vous allez avoir 6 demi-brides. 6, pardon, mailles serrées. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 et 12. Vous fermez avec une maille coulée dans la première maille. Vous faites une maille en l'air. Alors, rang numéro 2, 3 pardon. Vous allez faire une maille serrée, une augmentation. À la fin, vous allez avoir 18 mailles serrées. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 17 et 18. Pardon. Vous fermez avec une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air, et là vous allez faire le rang 4, 5 et 6 avec une maille serrée dans chaque. Alors, 5, 6. 5, 6, 7. Donc là, j'ai fait le rang numéro 4. 2, 3, 4. Je vais faire le rang numéro 5. Pareil, avec une maille serrée dans chaque. Je ferme avec une maille coulée, une maille en l'air et je refais une maille serrée dans chaque. Donc ça, c'est le rang numéro 6.
Voilà, donc là, c'est une partie de fête. Vous allez voir que le reste, après, c'est la deuxième partie et on va assembler les deux. Donc là, vous avez fait une partie. On va couper le surplus. Là, je vais donc, vous voyez, couper et enlever. Voilà, donc là, nous avons fait déjà une première partie. Après, on va faire la deuxième partie et on va assembler le tout. Donc, là, nous allons faire un cercle magique avec toujours 6 mailles en l'air. Comme on va faire exactement la même chose que ça, sauf qu'à la fin, on ne va pas couper. Donc, on refait une deuxième partie. Donc, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Je ferme avec hop hop une maille coulée dans la première et voilà. Donc là, nous allons faire, je vais couper tout de suite sinon ça va me gêner, hop, le surplus, ne pas se tromper, une fois j'ai coupé le mauvais fil, une, on va augmenter de chaque dans chaque maille serrée, donc vous allez avoir à la fin 12 mailles serrées. 6, pardon, 7, 8, 10, 11 et 12. Et je fais une maille coulée dans la première. Là, on va faire le rang numéro 3. Donc, rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation. Et à la fin, vous allez avoir 18 mailles serrées. Quatorze, quinze, seize, 17 et 18. Voilà. Une maille coulée dans la première. Et on fait une maille en l'air. Rang numéro 4. On a dit qu'on faisait une maille serrée dans chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 14 et 18. Une maille coulée dans la première. Maintenant, nous allons faire encore, donc rang numéro 5, une maille serrée aussi dans chaque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Une maille coulée. Et là, donc 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième rang, on fait aussi une maille coulée, une maille serrée dans chaque. Donc toujours 18 mailles. Hein. Et voilà. Donc, là, vous faites une maille coulée.
Donc, une maille en l'air, vous reprenez le morceau de qui était juste avant et vous piquez dans n'importe quelle maille. Vous allez faire une maille serrée. Et là, je mets mon marqueur. Et là, je commence à compter avec mon compte 1. Donc là, on en est au rang numéro 7. Ça va être une maille serrée dans chaque. Donc à la fin, vous allez vous retrouver avec 36 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Voilà, donc là déjà j'ai fait les 36 mailles du petit morceau. Et là, je me remets à l'autre. Je fais les 16 de l'autre aussi. Les 18, pardon. 2, 3. Et 18. Vous voyez? Là, j'enlève mon marqueur et je fais une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Donc là, ça fait ça. On va juste faire un petit point de couture pour rassembler les deux. Et après, tout ira bien. Bon, comme vous savez, vous commencez à savoir, je ne me prends pas la tête sur les choses. Du moment que le résultat est là, c'est très bien. Donc, une maille coulée dans la première, on fait une maille en l'air. Et là, nous allons faire donc 4 mailles serrées. 1, 2, donc je mets mon marqueur au début, pardon. Et là, on aura numéro 8. 3, 4, une diminution. Donc, dans le premier brin, et on va dans le brin suivant. On passe le fil. Un jeté et on passe dans le tout. On recommence. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Hop, hop, un jeté, on passe à travers. Un jeté, on repasse à travers. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Un jeté, on passe à travers. Un jeté, on repasse à travers. Alors, ensuite, 1, 2, 3, 4. On passe à travers. Enfin, on prend le brin avant. Le brin avant du suivant. Un jeté, on passe à travers. Un jeté, on repasse à travers. 1, 2, 3, 4. Brin avant du suivant. On fait un jeté, on passe à travers. Un jeté, on repasse à travers. 1, 2, 3, 4. On prend le brin avant. Le brin avant du suivant, un jeté, on passe à travers, un jeté, on repasse à travers. Là, à la fin du rang, donc là, je vais faire une maille coulée dans la première maille. À la fin du rang, vous devez avoir 30 mailles serrées. Voilà. Rang, pardon, numéro 9, vous allez faire une maille coulée dans chaque. Donc, ça vous fait donc 30 mailles. 1... maille serrée dans chaque jusqu'à la fin du rang. 2,
26, 27, 28, 29, 30. On enlève le marqueur, on fait une maille serrée dans la première maille. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Une maille en l'air, rang numéro 10. Trois mailles serrées, une diminution. Donc, hop. Brin avant, on passe, un jeté, on repasse. Une, deux, trois, pardon, une diminution. Une, deux, trois, on refait une diminution. Une, deux, trois. Une diminution. Une, deux, trois. Et une diminution. Voilà, donc à la fin de ce rang, vous avez 24 mailles serrées. Une maille serrée. Une maille, pardon, coulée dans la première maille. Rang numéro 11, vous allez faire les 24 mailles serrées individuellement. Donc, une maille serrée dans chaque. Et 24. Vous enlevez le marqueur, vous faites une maille coulée dans la première maille. Voilà. Donc, rang numéro 12, vous allez faire deux mailles serrées, une diminution. Alors, numéro 12. Une, deux, on passe dans le brin avant, une passe dans le brin avant juste là, hop, une, deux, un brin, on passe et voilà. Une, deux, le brin avant et le brin avant et on passe, voilà. Une, deux, brin avant, et on passe. Ensuite, oula. Une, deux, brin avant, on passe et on repasse. Une, deux, hop, encore une diminution. Voilà, et à la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles serrées.
Hop. Rang numéro 13. Ça sera une maille serrée dans chaque. Donc, 18 mailles serrées. Hop. On remet le petit cran. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à mettre la ouate hein, dedans. Bon, je ne vais pas tarder à le faire aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. On enlève le marqueur, on fait une maille coulée dans la première, hop. Et là, je vais commencer à mettre du rembourrage. Faire le rembourrage parce qu'après ça va devenir très petit là dans il vous reste encore 3 rangs à faire et après c'est terminé donc c'est pour ça il faut commencer à mettre de la ouate plus ou moins rembourré c'est comme vous le souhaitez hein. Faut que le rendu soit joli vous voyez c'est pas très voilà moi j'aime bien voilà quoi. Ça c'est assez sympa, la taille est plutôt pas mal pour faire des porte-clés. Alors ensuite, je vais finir la ouate après. Rang numéro 14. Donc rang numéro 14, c'est une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, je remets le marqueur. Et on va faire la diminution. Une maille serrée, une diminution. À la fin, vous devez avoir 12 mailles serrées. Serrer jusqu'à la fin du rang. Une diminution. Une maille serrée. Et une diminution. On enlève le marqueur. Une maille coulée, une maille en l'air. Donc là, vous avez 12 mailles. Après, vous allez faire donc une maille serrée dans chaque. Une maille coulée dans la première maille. Bon, je vais y arriver. Voilà. Et une maille en l'air. Voilà. Donc là, je vais terminer de mettre de la ouate dedans. Alors, c'est pas toujours facile. Moi, je me sers de mon ciseau pour m'aider.
toujours des techniques. Toujours avoir une petite idée sous la main. Voilà, plutôt pas mal. Maintenant, je vais faire, là ça va être le dernier tour, donc c'est une maille, une diminution dans chaque. Donc vous allez faire 6 diminutions, vous allez vous retrouver avec 6 mailles serrées. Et après vous avez terminé le cœur. Pas si facile que ça, hein. Je vais y arriver. Voilà, et la dernière diminution. Yes, on va y arriver. Ouh. Et voilà, et on fait une maille serrée, une maille coulée dans la première maille serrée de vos diminutions. Et voilà, donc là maintenant je coupe un petit peu, je tire, voilà, je prends mon aiguille N. Et je vais passer dans toutes les mailles. Hop. Pour fermer le cœur. Voilà. Je tire. Donc là, c'est vraiment bien fermé. Et je fais un nœud. Et voilà, je rentre, je cache mon fil, et voilà, tac. Et je coupe, hop, voilà. Donc voilà le résultat. Un joli petit cœur. Voilà, ça va accompagner les autres. Moi, personnellement, j'en fais des porte-clés. C'est assez mignon, assez sympa. Voilà ce que cela vous donne. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.